They come here with one saying, saying, saying. South Africa, I love you, and no forgot Mamale, you know, I'm just waiting for everything. It's been a long day without you, my friend. On sait qu'un jour viendrait où on ne les verra plus. Un jour dans le sens où les frissons ressentis au toucher de sa balle vont disparaître dans des vents de souvenirs d'un joueur qui nous aura laissé une fin bestiale. Mais que retenir de ce joueur Voltface? D'un gars sulfureux, au caractère bien trempé, ou de cet homme doué dans l'art de faire danser ses adversaires, doté d'une virtuosité divine. Peut-être de cette phrase qui lui collait inexorablement à la peau, Mbongo Mouké, Balé Mouké. Que cette punchline ait marqué l'époque de ses coups de blues. Emeka Mamale nous a fait aimer le football, son football, car étant petit ou grand, on a tous quelque chose de Emeka Mamale. Il y a cette canne en 98. Cette canne au Burkina Faso, ses crochets et centres font parler une équipe de la RDC. Moins envers va lors de ce match de classement qui restera accroché au panthéon des compétitions continentales. Il finit troisième avec ses coéquipiers de l'époque, Roger Itoto, Kasongo Korando en l'occurrence, et les autres sous les ordres d'un certain Watunda Iolo, le prof. Adoubé par le dernier club Motema Pembe en club, plus tard après l'an 2000, il va rejoindre le TP Mazembe en Angleterre. Mais son passage chez les Corbeaux ne sera pas le plus clinquant. En revanche, ses vices chirurgicales l'éloignent de l'aventure louchoise. Le mythe de la compétition saine n'en trouve pas moins régulièrement ses limites. Le divorce intervient pendant que les Corbeaux voulaient encore plus du Mamale. Que les supporters un jour n'ont pas hésité à lui faire savoir son manque d'implication dans la vie du club. Il va ensuite s'exporter au pays de Nelson Mandela, où il connaîtra quelques piges avant de rentrer sur sa terre natale, la République démocratique du Congo. Au forceps, il essaye de renaître de ses cendres, mais trop tard, l'âge a pris les dessus sur l'homme. On dit que les étoiles s'éteignent un jour ou l'autre, on les remplace ensuite. Par contre, lui, c'est une étoile qui brille encore dans les cœurs des puristes du football.